Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du 7-8 Weekend. Tout de suite, le sommaire de ce vendredi 13 mai. Lundi 9 mai a eu lieu la réouverture définitive de la galerie des carrosses du château de Versailles. Fermée au public depuis 2007, la galerie a rouvert ses portes grâce au mécénat de la Fondation d'entreprise Michelin. Claude Grajon, membre de l'organisation du festival Cajun et Zydeco, est en plateau pour nous présenter la 4e édition de ce festival. Un festival sur Jouarre-Pontchartrain du 13 au 15 mai pour faire découvrir la musique de la Louisiane. Et ce week-end, venez découvrir la réserve naturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. En plus des portes ouvertes, les guides de la réserve organisent une grande randonnée pour découvrir le patrimoine de l'île de loisirs à travers sa faune, sa flore et une touche d'histoire. Lundi 9 mai a eu lieu la réouverture de la Galerie des Carrosses du château de Versailles. Fermée au public depuis 2007, celle-ci a pu rouvrir ses portes grâce au mécénat de la fondation d'entreprise Michelin. Pour l'occasion, toutes les voitures ont été restaurées. Il est le joyau de la collection exposée dans les grandes écuries du château de Versailles. Il s'agit du carrosse du sacre de Charles X. 4 tonnes, 5 mètres de haut, 7 mètres de long. Cette voiture est reconnue comme le chef-d'œuvre de la carrosserie française pour l'ingéniosité de sa mécanique, la richesse de ses ors et des ornements auxquels concourent tous les arts décoratifs. Le carrosse dans la monarchie française, c'est le symbole du pouvoir en marche. Et à Versailles, eh bien, nous n'avons pas des véhicules pour voyager, nous avons des véhicules pour montrer le roi. Donc il faut bien comprendre que le carrosse, c'est comme un trône ambulant et trône, c'est-à-dire aussi un objet d'art réalisé par les meilleurs artistes et artisans de la couronne. Fermée au public depuis 2007, la Galerie des Carrosses vient de rouvrir grâce au mécénat de la Fondation Michelin. La surface d'exposition a doublé et s'étend à présent sur plus de 1000 mètres carrés. Elle présente l'une des plus importantes collections de carrosses d'Europe entièrement restaurées. Différents films faits à partir d'images de drones et de captations 3D à l'intérieur des carrosses permettent de comprendre l'apparition de ces voitures et la technique utilisée pour les fabriquer. L'appareil pédagogique est effectivement très important pour le public parce que finalement, c'est des collections un peu insolites. Donc, il faut expliquer au public d'abord eh bien, pourquoi ce sont des objets d'histoire. Ici, chaque carrosse est une page de l'histoire de France. Et puis, les faire aussi un peu rentrer eh bien, dans cette technique hippomobile. Du char funèbre de Louis XVIII aux voitures de la présidence, en passant par les berlines du mariage de Napoléon Ier, les carrosses de Versailles sont des monuments historiques et artistiques, à l'image des écuries royales, bâties par Jules Hardouin-Mansart entre 1679 et 1682. Et une autre exposition est également pour votre week-end sur Versailles, au Carré, à la Farine, jusqu'au 15 mai. Une exposition pour rendre hommage au peintre Vincent Cazat et sa famille. On peut retrouver des œuvres de son oncle Jean Rigaud, peintre de la marine, de son grand-père Pierre-Gaston Rigaud, peintre post-impressionniste, des dessins de BD de son célèbre frère Philippe Cazat et de son père André Cazat, anciennement caricaturiste pour la Une de l'Équipe. Et tout de suite, place à notre première invitée, Claude Grajon. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Claude, vous venez nous parler aujourd'hui de la 4e édition du festival que vous organisez, Cajun et Zydeco, sur Jouarre-Pontchartrain. Donc, ça démarre ce soir et ça se poursuit jusqu'à dimanche. On va revenir un peu sur les origines de ce festival. Expliquez-nous son histoire. Alors, son histoire, c'est l'histoire de Jouarre-Pontchartrain, en fait, puisque Jérôme Philippot, qui était ministre de Louis XIV, en charge de la Louisiane, a eu son nom, rendu célèbre par... Il a été donné au lac qui borde la Nouvelle-Orléans, qui s'appelle le lac Pontchartrain. Donc, tout le monde a entendu parler de la catastrophe Katrina. Donc, c'est le lac Pontchartrain qui a débordé sur la Nouvelle-Orléans. Et donc, ce lac avait été baptisé au nom du ministre de l'époque par le moine d'Iberville qui a découvert l'embouchure du Mississippi. Donc, une origine historique oui. Entre ces deux villes, enfin voilà. Cette ville et cet État. Et de là, vous avez créé une association qui voilà. s'appelle Topla. C'est-à-dire que voilà, Topla est une association qui est en fait le comité de jumelage, un jumelage qui est actuellement entre une ville qui s'appelle Hammond, qui est en fait au bord du lac Pontchartrain, et la ville de Jouarre-Pontchartrain. Donc vous avez eu l'idée
de créer un festival. Voilà, et donc après ce jumelage qui est à l'origine en 1998, j'avais proposé à Madame le maire de l'époque de créer un festival, étant donné que je suis dans cette mouvance et que je pensais pouvoir rassembler beaucoup de monde venant d'Europe et de France, bien entendu. Et donc le premier festival a eu lieu en 2010. Et donc il a lieu tous les deux ans, parce que c'est un travail important, il faut une équipe, et c'est très prenant. Et quand on a fini d'organiser le festival, on est vraiment tous très fatigués. Voilà, donc si, tous les ans, et d'autant plus qu'il faut trouver des moyens, puisque actuellement, si vous voulez, c'est un budget qui voisine les 45 000 euros, et sans aucune subvention. À part le prêt du matériel par la ville de Pontchartrain, mais malheureusement, il n'est pas possible d'obtenir des prêts à la fois du département ou de la région, parce qu'il faut que le festival ait eu lieu déjà depuis un certain nombre d'éditions. Certain temps. Voilà. Alors c'est un festival notamment important, car il n'y en a que deux qui célèbrent la culture de la Louisiane en France, donc voilà. Vous en faites partie. Et cette année, vous avez opté pour un invité très spécial, il s'agit de Gino de la Fosse. Alors ouais. Vous allez nous en parler, mais juste avant, on l'écoute. En Louisiane, on a la musique Cajun et la musique Zydeco. La musique Cajun a été influencée par la musique country et western, et la musique Zydeco a puisé ses influences dans le blues. Ces deux genres musicaux sont joués à la fois par les Blancs et les Noirs. Les instruments sont un peu différents. Dans la musique cajun, il y a de l'accordéon, de la guitare acoustique, alors que dans la musique zydeco, on peut y trouver de l'accordéon aussi, mais aussi des percussions, de la basse, et ça s'inspire un peu plus du blues. Il y a davantage d'énergie. Ça n'empêche pas les musiciens zydeco de jouer de la musique cajun et inversement. Dans tous les cas, on s'amuse bien. Chez moi, en Louisiane, on était fermier et on jouait de la musique cajun et zydeco après une grosse journée de travail. Ça nous permettait de décompresser, de passer un bon moment, de jouer de la musique, chanter, danser. C'est quelque chose que les gens en Louisiane faisaient pour se détendre avant l'arrivée de la télévision et de la radio, par exemple. La musique zydeco vient beaucoup du gospel et emprunte aussi quelques percussions des Caraïbes avec les tambours, entre autres. C'est de là que notre musique vient. Alors ma dernière venue en France, ça remonte à 2007 et j'ai joué pour un gros festival. C'est la première fois que je reviens dans votre pays depuis ce temps. Je viens pour le festival à Jouarre-Pontchartrain et j'espère que beaucoup de monde va venir. On va jouer de la musique zydeco et cajun, passer un bon moment et on va faire en sorte même de faire danser tout le public. J'aime beaucoup jouer de la musique ici. Les Français aiment vraiment ça. Ils aiment la musique, ils dansent. Et après, beaucoup viennent en Louisiane et écoutent de la musique cajun et zydeco. C'est super de se rencontrer et de jouer pour eux. Les gens s'éclatent et apprécient la musique, notre style traditionnel, mais aussi plus contemporain parfois. Les Français aiment notre musique et nos artistes. Alors Gino de la Fosse qu'on vient d'entendre, c'est une véritable vedette en Louisiane. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de cet invité spécial ? Bien, à chaque édition, évidemment, nous renouvelons, nous voulons avoir un groupe nouveau. Et ça faisait déjà quelques années que nous souhaitions avoir Gino, mais... ce musicien qui est très célèbre. On peut dire qu'actuellement, c'est The Vedette là-bas. Quoi. C'est vraiment le groupe qui est au sommet. Alors, au-delà de vouloir faire découvrir la musique de la Louisiane, vous cherchez vraiment à partager toute la culture. Il y a toute une pléiade d'activités et d'actions culturelles autour de la culture. Vous investissez différents lieux également.
Ah oui, bien sûr. Donc, nous allons avoir trois éditions de films, donc de cinéma, où on va projeter des films qui parlent de la Louisiane ou qui sont donc tournés par des Louisianais pour faire découvrir, évidemment, d'autres aspects. Et nous avons également des cours de cuisine de Louisiane et puis des cours instrumentaux où on peut parfaire son style cajun ou zaï déco, soit pour l'accordéon, la guitare ou le violon. Et donc, voilà, on essaye de faire connaître toute cette palette parce que c'est vraiment en Louisiane une culture tout à fait différente de tout ce qu'il y a ailleurs aux États-Unis. Il y a vraiment cette présence française qui est encore dans le cœur de tous les Louisianais qui ont résisté aux Anglais. Et on sent toujours cette résistance aux Anglais par la langue, puisqu'il y a encore en gros 800 000 Cajuns qui sont des locuteurs de français et dont certains ont refusé de parler l'anglais, encore aujourd'hui. C'est quelque chose qui est très émouvant. Quand on va là-bas, c'est très émouvant. Donc on pourra retrouver toute cette culture. On voyait bien que vous avez la volonté de faire partager donc sur Jouarre Pontchartrain à partir de ce soir vendredi 13 mai et jusqu'à dimanche 15 mai. Voilà. Toutes les informations, la programmation, les inscriptions pour les différentes actions culturelles que vous pourrez retrouver sur le site à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Merci Claude Grajan d'être venu en plateau et de nous avoir fait partager ce bel événement. On va Merci à présent parler d'un autre festival ce week-end et qui va durer jusqu'au 22 mai, le festival Mosaïque, festival de musique actuelle au Mureau, une programmation éclectique pour cette 14e édition avec de la soul, du blues, du rap, du rock et de la pop, un événement qui se veut convivial et familial. Et un rendez-vous pour les amoureux de la nature à présent. Ce week-end, c'est la réserve naturelle de Saint-Quentin en Yvelines qui ouvre ses portes. Et pour l'occasion, les guides du site naturel organisent une grande randonnée pour découvrir le patrimoine de l'île des loisirs. On pourra y découvrir la faune, la flore et même une touche d'histoire. Un reportage signé Mélanie Poquet. Journée porte ouverte samedi à la réserve naturelle, mais pas seulement. Pour la première fois, le public pourra faire une randonnée dans toute l'île de loisirs. Quand vous venez visiter la réserve naturelle, je dirais que vous êtes dans le cœur de nature de l'île de loisirs, de Saint-Quentin-en-Yvelines, de ce territoire. Ça fait 30 ans maintenant qu'on fait des expertises scientifiques sur l'ensemble de l'île de loisirs. Et la nature exceptionnelle est bien sur l'ensemble du pourtour. Et donc là, l'idée, c'est de vous faire découvrir ce que vous pensez connaître en fait. 10 km de parcours autour du bassin de l'île de loisirs puis de la réserve. Il y sera question de flore avec le cabaret des oiseaux, une plante retenant l'eau de pluie, de faune, la base accueillant de nombreuses espèces mais aussi de 300 ans d'histoire. On va vraiment élargir la discussion sur le patrimoine naturel de l'étang de Saint-Quentin qui est inscrit donc dans un patrimoine historique puisqu'en fait il appartient au réseau des étangs et rigoles. Cet étang a été créé par le roi Louis XIV. L'inscription se fait jusqu'à vendredi. Une vingtaine de places est prévue pour découvrir ou redécouvrir l'île de loisirs qui délivrera certainement un grand nombre de secrets. Et l'on ouvre à présent une page littérature comme chaque vendredi, votre rendez-vous avec la sélection littéraire du Pavé du Canal. Aujourd'hui, c'est Pauline Amier du Pavé du Canal qui vous présente le polar Condor de Carrie Ferré. Alors, je vais te présenter le nouveau roman de Caryl Ferré. Donc, c'est encore un polar. Cette fois-ci, il s'appelle Condor. Ça se passe au Chili. Il fait un peu suite à son précédent roman, qui était Mapuche, qui se passait en Argentine. Là, on suit une jeune reporter qui fait partie de l'opposition chilienne,
qui est une Mapuche, donc qui a été opprimée pendant l'époque, enfin dont la famille a été opprimée pendant l'époque de Pinochet. Et là, elle va enquêter dans les quartiers très pauvres du Chili sur des sombres histoires de drogue, et elle fait équipe avec un avocat qui se dit lui-même avocat des causes perdues. Voilà, et tous les deux vont partir sur une enquête qui, évidemment, va mêler des gens très haut placés, des commerciaux. Et elle, c'est une ancienne journaliste, non ? Non, c'est une étudiante, en fait. Une étudiante en journalisme, elle est caméraman. OK, qui s'associe avec un avocat. Voilà, elle s'associe avec lui parce que, en fait, c'est le fils d'un ami à elle qui est tué, qui est un jeune garçon qui n'avait aucun problème, qui faisait des études, etc. Et le meurtre est maquillé en overdose, donc elle n'y croit pas du tout. Elle fait appel à cet avocat qui s'appelle Esteban. Est-ce que c'est une continuité dans tout ce qu'il a fait précédemment ? Ouais. Alors, il a beaucoup exploré le continent sud-africain, avec Zulu notamment. Il avait exploré la Nouvelle-Zélande avec sa saga Maori. Et là, ouais, il s'intéresse beaucoup plus à l'Amérique du Sud, donc avec Mapuche, puis maintenant Condor. Et à chaque fois, il part plus d'un an sur place pour s'imprégner de la vie du pays et de récolter le plus d'infos sur l'histoire du pays. Donc une petite étude socio avant, au préalable, pour mener ses livres. Oui, tout à fait. Et pourquoi ne pas aller au cinéma ce week-end ? Cyril Haddad, du cinéma Philippe Noiret des Clés-sous-Bois, vous présente Money Monster, un film de Jodie Foster avec Julia Roberts et Georges Clooney. Cette semaine, notre coup de cœur est le film Money Monster, réalisé par Jodie Foster avec George Clooney et Julia Roberts. Lee Gates est une personnalité influente de la télévision et un gourou de la finance à Wall Street. Les choses se gâtent lorsque Kyle, un spectateur ayant perdu tout son argent en suivant les conseils de Gates, décide de le prendre en otage pendant son émission, devant des millions de téléspectateurs. Money Monster est le quatrième long-métrage de l'actrice-réalisatrice Jodie Foster. Elle orchestre les retrouvailles entre Julia Roberts et George Clooney 12 ans après Ocean 12. C'est également la quatrième collaboration entre les deux acteurs principaux. Ce thriller sera, à n'en pas douter, un des moments attendus du 69e Festival de Cannes, puisque le film y est présenté hors compétition. Avec à la clé un moment fort de l'histoire du festival, car il s'agira de la toute première visite cannoise de l'héroïne de Pretty Woman. Money Monster est proposé en version originale et en version française, et est à découvrir cette semaine en sortie nationale à l'espace Philippe Noiret. Et viennent de nous rejoindre en plateau Claude Chose. Bonjour. Bonjour, Sophie. Alors, on le rappelle, vous êtes donc le président de l'Union régionale 16 de l'Île-de-France Ouest de photographie. Et aujourd'hui, vous êtes accompagné de Gérard Moulin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste photographe et on va découvrir que vous avez une spécialité, presque, on peut dire. Claude, expliquez-nous pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous venez nous présenter Gérard Moulin. Alors, Gérard Moulin, c'est quelqu'un que je connais depuis fort longtemps. Gérard est quelqu'un qui fait de la photo, je crois, depuis bien des années. Il a fait partie d'un groupe de photographes, les 30-40, disons que les plus anciens de votre région sauront certainement de quoi il s'agit, où il y avait des têtes de la photographie. Donc Gérard est un personnage, est un homme qui a une grande culture photographique, c'est-à-dire qu'on peut lui parler de plein de gens. Il aura toujours un rappel vers un auteur particulier. Et puis Gérard est aussi un homme qui ne fait que du noir et blanc, que ce soit argentique ou numérique, parce que depuis peu de temps, il est passé aussi au numérique, si vous voulez. Donc, alors, on va en parler justement, Gérard Moulin, oui. Je le disais, on peut dire qu'il s'agit de votre spécialité, le noir et blanc. Pourquoi est-ce que vraiment vous êtes resté, on peut dire, encore au noir et blanc ? Alors, je ne suis pas resté au noir et blanc parce que j'ai essayé pendant une courte période de 9 mois de faire de la couleur et je me suis rendu compte que pour moi, le langage de la couleur ne correspondait pas à mes attentes, alors que le noir et blanc, de par la distance que ça prend vis-à-vis de la réalité, puisque notre grand adversaire pour nous photographes, c'est quand même la réalité. À partir de cette réalité, on doit faire autre chose. Et le noir et blanc est un des moyens qui permet qui permettent de faire autre chose, c'est-à-dire ne pas montrer véritablement ce que c'est, mais l'esprit de ce que l'on veut montrer. Et du coup, comment est-ce que vous réussissez à mettre en lumière l'esprit de ce que vous cherchez à montrer ? Eh bien, c'est par la distance.
On n'est plus dans le rapport à un sujet que l'on voit, parce que le photographe, par nature, photographie ce qu'il voit. Et s'il ne fait que montrer sur sa photographie ce qu'il a vu, ça n'a aucune importance, puisque c'est un constat, et le constat n'est pas, en tout cas, ce qui me concerne. Moi, je préfère montrer un peu ce qui n'est pas visible dans les choses. C'est pour ça que mes photos portent... Quand ce sont des personnages, souvent, ils sont assez éloignés. Quand ce sont des choses et des objets, ils sont pris avec beaucoup d'ombre, beaucoup de sombre, et seulement des traces de lumière. Et ce sont ces traces qui m'intéressent particulièrement. Le travail du noir et blanc relève pour vous d'une démarche plus artistique que la couleur ? Non, il y a des photographes qui sont des coloristes et il y a des photographes qui ne sont pas des coloristes. Moi, je me case dans la deuxième partie. Des gens savent traiter la couleur, surtout que dans ma génération, les photographes étaient essentiellement des noirs et blanquistes. Soit les écoles de photographie, soit les lieux où on échangeait sur la photo étaient très peu portés sur la couleur. Claude, quel rapport vous entretenez-vous avec le noir et blanc ? Bien, disons que je rejoins ce que vient de dire Gérard sur l'essentiel. Vous savez que j'ai fait une série sur Versailles en noir et blanc, et je pense que la couleur dans ce cadre-là n'aurait rien amené. Souvent, si vous voulez, comme l'a sous-entendu Gérard, la couleur va peut-être distraire les regardants au détriment, si vous voulez, de l'essentiel qu'il y a dans la photo. C'est un peu comme ça que je conçois, moi aussi, le noir et blanc. C'est-à-dire que quand on veut concentrer vraiment le regard sur ce qui est important dans la photo, regardez quand même tout ce que les grands auteurs ont fait, comme Willy Ronis, Doisneau, Isis, enfin, et la liste serait longue. Et comme l'a dit Gérard, il est vrai qu'à une époque de la première moitié du XXe siècle, la couleur coûtait cher, donc c'était aussi un des critères, mais ça disperse les gens, alors qu'ils passent peut-être à côté de l'essentiel. Et donc le noir et blanc concentre les gens sur l'essentiel. Est-ce que techniquement, on aborde la prise de vue, le cadre, un peu différemment lorsqu'on ne fait que du noir et blanc ? On ne voit pas les choses de la même manière. Quand on est coloriste, on est tenu par la nature et l'équilibre des couleurs qui se présentent et savoir si on veut avoir une dominante dans un sens ou dans un autre. Tandis qu'en noir et blanc, ce qui compte, c'est la lumière et les contrastes. Et dans la mesure où on est avec cette lumière et ces contrastes, déjà on peut mélanger beaucoup plus de choses et les mettant les unes à côté des autres, et on n'est pas perturbé, ou quand on voit une photo couleur, parce qu'il faut faire la différence entre la photo couleur et la photo en couleur. La photo couleur, c'est de dire je vais quelque part, je vois, je déclenche, et puis ce qui est rouge, ce qui est bleu. Tandis que dans la photo, dans l'autre catégorie, ce sont des photographes pour qui la couleur a un sens et possède une certaine détermination. Ils n'ont pas l'utilisation de la couleur comme élément secondaire, mais l'élément principal. Beaucoup de peintres, d'ailleurs, avant les photographes, utilisaient la couleur, non pas par la couleur qui était en tant que telle, mais la couleur qui servait une idée, qui servait un projet, une émotion. On ne met pas du bleu n'importe où, on ne met pas du rouge n'importe où. Il y a les différentes sociétés européennes qui ont été marquées par les différentes couleurs. Là, je parle des peintres. Et pour les photographes qui sont des coloristes, il y a beaucoup d'Italiens qui sont des coloristes, des grands. Il y a quelques Français, mais pas énormément. Il y a aussi des Australiens qui ont beaucoup travaillé sur la couleur. Mais pour moi, j'aime bien voir des photographies en couleur quand elles me conviennent. Mais vous préférez travailler le noir et blanc. Moi, je travaille en noir et blanc essentiellement pour ça. Un mot peut-être sur le travail. Vous disiez l'argentique, vous êtes passé au numérique. Pourquoi aussi également travailler sur le numérique ? Alors, je ne suis pas passé au numérique. Je fais un petit peu de photos numériques, mais moi, je suis encore très attaché. 90% de mon travail est de l'argentique parce que je développe mes films. J'ai la nature sensuelle vis-à-vis de l'objet film, et ce film ensuite j'ai mon laboratoire, je fais mes tirages moi-même, j'ai accès à tout le processus. En couleur ce serait peut-être plus compliqué, mais enfin pour le noir et blanc c'est quelque chose que je fais depuis 1972 ou 73, donc je me sens bien dans mon laboratoire, parce que une fois que le labo est fermé, que la lumière rouge apparaît, et ben le temps n'existe plus et le monde n'est plus le même que celui que l'on a quand on n'y est pas. Voilà.
voilà. Magie J'aime de la encore photographie. Toujours la photographie argentique pour ça. Claude Chose, vous vouliez nous parler d'une exposition qui va démarrer demain à Rambouillet. Oui, c'est une exposition qui est en cours à Rambouillet, une exposition sur la photographie nature que je vous recommande particulièrement. C'est dans le chalet du parc animalier de Rambouillet, donc sur la commune de Clairefontaine, si mes souvenirs sont exacts, où un certain nombre de mes collègues photographes de cette union régionale du Sud-Ouest Île-de-France présentent leurs photos jusqu'à la fin du mois de mai. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, vous y verrez quelque chose de très sympathique, et des photos en noir et blanc. Vous avez aussi des photos en noir et blanc, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de couleurs. Donc voilà. D'accord. Le message, l'invitation est lancée. Claude Chose, Gérard Moulin, merci d'être venu en plateau et d'avoir répondu à nos questions. On vous retrouvera, Claude, très certainement sur une autre rubrique, photographie. Et c'est merci, déjà Sephora. La fin de cette émission. Je vous laisse la voir et la revoir sur notre site internet. Et il est temps pour moi de vous souhaiter un excellent week-end.